les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale pour les énergies du 30 juillet. J'espère que vous allez toutes et tous bien, comme d'habitude. Donc je le répète, c'est une guidance générale. Soit vous prenez toute la guidance, soit par petit passage. Et puis si rien ne vous parle, si rien ne vous correspond, vous appelez tout simplement la vidéo. Alors les amis, on va commencer. Je ne vais pas trop perdre de temps à blablater comme d'habitude. Je suis une vraie pipelette, mais on aime ça. Pas d'inquiétude, il y a les petits moutons qui sont sortis, donc si vous entendez bêler, et ben écoutez, c'est peut-être aussi un signe pour vous, pour certaines personnes peut-être, on me dit là maintenant de suite, ça commence fort. Et puis aussi, je voulais vraiment remercier un grand merci, oui, à toutes les personnes qui m'ont écrit des messages, de savoir qu'ils étaient contents que j'aille bien, et aussi pour faire des gros bisous à mon matou d'amour. Oui, effectivement, il s'appelle Mathis, mais depuis sa naissance, je l'appelle mon matou, d'accord? Donc voilà, c'est mon dernier, je sais que ce sera mon dernier enfant, donc c'est le dernier qui a 5 ans, voilà, et donc c'est celui-là qui est quand même un peu plus souvent, malgré que je suis très fusionnée avec les trois garçons, mais sachant que c'est le dernier, il est encore un peu plus dans mes pattes, si je puis dire. Allez, on y go. Je vais bien vérifier le temps pour que la vidéo puisse se mettre comme assez rapidement. C'est important. Donc je le répète, pour ceux et celles qui veulent des guidances privées, n'hésitez pas à me demander sur mon email, seulement sur mon email, s'il vous plaît, vous attendez ma réponse. Je tiens aussi à préciser qu'il n'y aura pas de résultat pour ce week-end, puisque ce soir même, je suis en soirée jusqu'à ça demain matin. Donc ça va être très compliqué, je ne vais pas vous le cacher. Donc les résultats seront que de lundi à mercredi, selon les demandes que j'ai aussi, bien évidemment. Mais pas d'inquiétude, comme je suis en vacances à partir de vendredi soir. Ensuite, j'ai quand même 3 semaines, vraiment, où je vais quand même vous accorder un peu de temps. D'accord? Allez, on y go. S'il vous plaît, mes guides d'amour, quel ange de l'Atlantide est avec nous pour cette guidance générale? Ouh, ça saute, ça saute. Alors, qu'avons-nous là? Je prends les trois. Alors, en premier, alors c'est là, ok. En premier temps, on a Jophiel, hein, et qui vous dit la joie. Oui, vous allez retrouver une forme de joie. Pourquoi? Parce que, il y en a pour certains, certaines, vous avez compris que plus vous positivez et plus les choses arrivent vers vous. De toute façon, vous allez avoir une joie parce que effectivement, il y a une forme d'abondance qui arrive vers vous. Vous avez travaillé énormément. Vous êtes passé par des épreuves assez costauds, me dit là maintenant de suite. Cela pendant des années, voire de votre petite enfance jusqu'à l'âge adulte, entre 30 et 50 ans à peu près. Voilà, exactement. Plus 40, 45 ans. Bref, on me dit que là, enfin, vous allez récolter. Vous avez compris aussi des choses. Vous avez accepté, grâce au lâcher prise, vous avez accepté d'écouter votre intuition, de vous écouter, de vous aimer aussi, d'accord? Il y a une forme aussi, vous avez compris qu'il était important de boire beaucoup, beaucoup d'eau pour régénérer aussi vos énergies, d'accord? Vous avez compris qu'on était fait, tout être humain, nous étions faits d'énergie. Que tout autour de nous est fait d'énergie. Magnifique message, hein? Ensuite, nous avons Chamaël et qui vous dit effectivement, il y a un commencement pour vous, d'où cette joie aussi. Hein. Il y a un nouveau départ, il y a un commencement, une nouvelle vie, d'où la joie, le bonheur, la paix qui arrive vers vous. Hein. On vous dit encore une forme, peut-être il y a des personnes qui vivent à côté de la mer, la plage, ou en somme, vous êtes actuellement en vacances, ou vous avez peut-être le projet d'acheter une maison de campagne à la mer, à la plage, ou bien y habiter complètement pour ceux et celles peut-être qui sont en mode retraite ou pas. Hein, on me dit ou pas, tout simplement. Alors, ensuite, nous avons Métatron qui est avec nous. Ça fait un moment que je ne l'avais pas eu. Nous avons Métatron et il vous dit, vous avez compris que vous aviez une intelligence divine. Alors, effectivement, là, maintenant, de suite, on vous parle peut-être, il y en a certains, certaines, vous avez des capacités à aider votre prochain. Soyez à l'écoute, d'accord? C'est important. Soyez à l'écoute de vos capacités, de votre cœur,
cœur, de vos ressentis, de votre intuition. Il y a peut-être des personnes là aussi avec le livre. Là, c'est un livre qui est ouvert. Alors attention, il y a peut-être des personnes effectivement qui vont être en formation par eux-mêmes ou via par des professionnels, d'accord? Mais pas que. J'entends aussi, il y a quelqu'un qui va arriver vers vous et qui va communiquer tel un livre ouvert. Il va vous parler de cœur à cœur. J'entends aussi là maintenant de suite les amis, il y a des personnes, en l'occurrence là, que ce soit vous, le consultant, la consultante ou votre autre ou bien les deux, effet miroir, on est en train de vous dire que là, il y a un moment donné, il va falloir vraiment, 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 on insiste, que vous arrêtiez, que vous balayiez vos croyances limitantes pour que vous puissiez aller vers votre autre. Il faut que vous arrêtiez avec vos croyances limitantes pour que vous puissiez aller, que vous puissiez accepter d'aller vers votre autre. On me dit là maintenant de suite en canalisation. Donc vous prenez simplement ce qui vous parle, les amis, je l'entends bien. C'est vraiment une guidance générale, hein, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde en même temps. Allez, ensuite on va prendre un petit message de l'oracle des fées et des anges de Annabella, qui d'ailleurs, si elle me regarde, je lui fais des gros bisous, que j'apprécie beaucoup cette femme. Je ressens beaucoup de gentillesse, de paix et de douceur, hein, de douceur, effectivement. Allez, on va aller voir, hein, s'il vous plaît, mes guides. Alors forcément, les amis, n'hésitez pas à liker, à partager, pourquoi pas laisser un commentaire si le cœur t'en dit, hein, forcément. Et pas d'inquiétude, je vous y réponds dès que je peux. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il des messages pour cette guidance générale pour les énergies du 30 juillet? S'il vous plaît, pour les personnes à laquelle cette guidance leur parlera forcément. Alors, on vous annonce là, il y a une surprise qui vous attend, les amis. Il y a un cadeau, une surprise qui vous attend. Là, j'attends maintenant de suite que la surprise, c'est de l'être aimé. Il y a quelqu'un d'être aimé qui vous aime. Alors, que ça soit, comment dirais-je, on me dit comment, alors aidez-moi. Que ça soit dans une forme de au grand jour, hein, qui vous aime au grand jour ou caché, en tous les cas, il vous prépare une surprise. Il y a un cadeau, d'accord? Et il a hâte. Alors, excusez-moi, je bois un petit coup, les amis. Voilà. Hein, donc, il y a vraiment une surprise qui arrive à vous pour ceux et celles à qui ça parle. Allez, s'il vous plaît. Ouh! Oh, il y en a deux, surprise. Oui, regardez, il y a un effet porte-bonheur là. Là, il y a quelque chose, il y a une notion comme quoi il y a l'amour qui arrive. Qu'est-ce que je venais de vous dire? Un début de commencement, une joie, un bonheur. Hein, il y a vraiment le bonheur qui arrive vers vous. Il y a une opportunité, une chance de l'amoureux qui arrive vers vous pour vous annoncer des choses, du moins une surprise aussi. Regardez, pas d'inquiétude pour celles et ceux aussi qui s'inquiétaient de savoir si cet autre était fiable, si cet autre allait revenir. Là, j'entends maintenant de suite, effectivement, il va revenir pour ceux et celles qui étaient dans l'attente ou qui étaient en froid, en communication, pardon. On vous dit, il va revenir vers vous tel un guerrier droit dans ses baskets, vraiment tel un chevalier, vraiment avec sa droiture, son costume de fer, et ne pas vous inquiéter, c'est quelqu'un qui est loyal, c'est quelqu'un qui est fidèle, on vous le dit là maintenant de suite. Peut-être aussi, il y en a certaines, on vous demande d'arrêter d'écouter les on-dit, arrêtez encore avec vos croyances limitantes. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Je n'ai pas trop le temps parce que je vous dis, j'ai une soirée ce soir, donc j'essaye de faire au plus vite, les amis. On vous dit, oui, effectivement, vous vous posez trop de questions. Il y a un moment donné, il va falloir que vous laissiez les choses se faire tranquillement, mais sûrement. Il va arriver votre hôte, hein. Certes, il va arriver tranquillement, mais sûrement. Et je trouve que c'est cela qui est important.
Regardez, cela confirme. Merci mes guides, je vous aime. Regardez, cela confirme. C'est vraiment quelqu'un qui a de l'amour pour vous. Alors je le redis, soit au grand jour ou qui a encore, c'est secrètement. Hein, c'est secrètement l'amour qu'il a pour vous. En tous les cas, c'est sûr, il va revenir vers vous ou il va venir vers vous. Et on vous dit qu'il a un cadeau, une surprise pour vous. Hein, d'accord, il y a une opportunité qui va faire que il va vous offrir ce cadeau pour vous avec une certaine fidélité, loyauté, structure et amour, on me redit. Alors laisse les choses venir à toi tranquillement, si je puis dire. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. J'adore. Là, je les prends parce que je le ressens. Pas d'inquiétude, les amis. On vous dit, regardez, oui, il y a une forme d'abondance qui arrive à toi. Ça, c'est la première. Attendez, parce que je suis très... Voilà, j'ai des petites manies, des petits tocs. Là, on vous dit, regardez, il y a une forme d'abondance qui arrive vers toi. Vous allez être ébahi par cette surprise. Vous allez être en joie, en bonheur, en extase, si je puis dire. Vraiment, vraiment, vraiment de toute beauté. Il y a vraiment le soleil, la lumière. Vous allez être lumière encore plus que d'habitude. Un aura vraiment puissant, d'accord? Oui, c'était là. On vous dit, il vous dit, tu peux compter sur moi. Il va vous dire que vous pouvez compter sur lui, d'accord? Il est là. Vous pouvez poser votre tête sur son épaule. Vous pouvez vous confier. Vous pouvez maintenant, il a compris. Alors attention là maintenant de suite, j'entends, il y a des personnes peut-être qui ont été un petit peu trahies. Alors si c'est un ex ou bien il y avait eu un début de petit flirt ou quoi que ce soit, c'est arrêté radicalement. Effectivement, on vous dit que là, au jour d'aujourd'hui, il est droit, il est fidèle, il est loyal et il va vous dire, tu peux au jour d'aujourd'hui compter sur moi, j'ai compris la leçon, je sais qui tu es, j'ai bien compris que nous avons un lien ensemble et nous allons avancer ensemble. Magnifique. Regardez, oui, pourquoi? Parce que là, il y a eu des mensonges de dites. Il y a eu des mensonges, d'accord? Effectivement, ces mensonges-là vous ont mis dans l'embarras, ces mensonges-là vous ont mis dans le questionnement. Alors peut-être qu'autour de vous, on vous a menti au niveau de votre autre, ou bien on a menti sur vous. Attention, là c'est ce qu'on me dit, c'est soit on vous a menti à vous sur votre autre pour pas que vous y alliez ou que vous soyez écœuré au niveau de sa situation peut-être sentimentale, hein, d'accord? Ou bien on vous a dit des on dit ou quoi qu'est-ce et vous y avez cru, or que c'était des mensonges au niveau de vous. Il a cru les mensonges qu'on a dit sur vous, qu'on a colporé sur vous. D'accord les amis? Et regardez, on vous dit là vous avez le trousseau, il y a la clé là. Il y a la clé, elle est en vous, elle est en lui, d'accord? Au niveau amoureusement parlant, c'est important de le comprendre. Vous avez la clé en vous, il a la clé en lui. Attention, là, nous avons quand même une notion de trousseau de clés. Pas une clé, mais un trousseau. Là, ce que j'entends dessus, de toute façon, vous avez votre propre libre arbitre. Et il faut savoir qu'il y aura quand même un choix à faire. Non seulement... pas pour lui, mais pour vous. C'est-à-dire que lui, maintenant, j'entends qu'il est bien ancré dans la matière. Il a travaillé pour, il est en fin de transformation et du coup, il est prêt à venir vers toi, à te proposer quelque chose. Il va te proposer quelque chose, c'est sûr et certain. Et c'est à toi de faire le choix. Pourquoi ? Un choix, j'entends qu'il y aura quand même des choix à faire dû à cause de vos croyances limitantes, à peur à faire du mal aussi. Et aussi, j'entends, là maintenant, c'est qu'entre vous, vous n'êtes pas encore, peut-être, il y en a beaucoup qui ne sont pas encore célibataires en ce moment même. Hein. Vous vivez encore avec une personne. Vous n'avez pas réussi à couper un lien, du moins. D'accord hein. Or qu'il n'y a plus rien, hein. C'est sûr. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il d'autres messages? Merci, mes guides. Oh oui. Alors là, on a là. J'aime bien que ça tombe comme ça. Hop, hop. Et celle-là, elle était là, je crois. Je ne sais plus, c'est pas grave. Donc là, on a dit, oui, regardez, récoltez les fruits. Effectivement, vous avez un tirage de toute beauté. De toute beauté. J'adore, on adore. Non, mais franchement, on ne peut pas dire le contraire. Je ne sais pas si vous voyez bien ou pas. Je vais essayer de redescendre un petit peu parce que j'ai l'impression que vous voyez moins bien. Les cartes. Puis comme j'ai mon pied... Ah ! Oh non ! Bonté divine. Alors attendez, c'est tout pété.
Bonté divine. Oh, comment je vais faire? Alors, excusez-moi les amis, 2 secondes. Oh, c'est pas vrai. Oh. Alors, attendez. Excusez-moi les amis, ça a coupé. J'ai voulu que vous voyiez plus les cartes et finalement, j'ai tout pété. J'ai tout pété les amis, comme d'habitude. Je suis un peu... Comment dirais-je? Je suis un peu Brutus, on va dire. Allez, hop. Donc là, en l'occurrence, j'étais en train de vous dire, oui, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, magnifique. Alors, attendez, je vais vite marquer si je peux marquer le temps qui en était. Parce que vraiment, vraiment, là, il faut vraiment pas que je déconne. On va mettre là le temps. J'étais à 13, il me semble. Ouais, excusez-moi, les amis. À 13 minutes, hein, parce que sinon, non, non. Ah, sinon, c'est bon, quoi. Je vais faire disputer. Allez les amis, donc là on vous dit vraiment vous avez un tirage de toute beauté magnifique. Donc vous allez bien récolter ce que vous avez semé. Le soleil arrive avec l'abondance, une opportunité arrive et cela va vous mettre en joie, en bonheur, en gaieté. C'est pour ça on vous dit, vous allez retrouver une forme de calme, de sérénité, de paix intérieure, de sagesse. Voyez, vous allez vraiment récolter ceci parce que... Enfin, votre hôte est là. Enfin, vous allez être unis, réunis et tous les deux, vous faites unité. D'accord? C'est important de le savoir. Regardez, il est en train de vous dire, tu me manques. Donc, certes, il y a peut-être des personnes, vous n'êtes pas en communication, très bien, hein, j'entends bien, mais en tous les cas, il vous dit que vous lui manquez. Et en même temps, vous aussi, il vous manque. Voilà ce que j'entends. Et regardez, mes magnifiques réussites, mais que se passe-t-il, mes guides? Que se passe-t-il? Magnifique, magnifique. Non, mais grandiose, de toute beauté, magistrale, bellissima. Non, mais c'est fou, fou, fou. Non, mais on ne peut pas rêver mieux. Non, on ne peut pas rêver mieux, quoi. Un tirage magnifique. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Ah ouais, le titre, ça sera la surprise de votre hôte. Hein. Ah ouais, c'est sûr, sûr, sûr. Là, il y a vraiment une notion. Hein. Il y a la réussite, il y a le succès, le bonheur. Hein. Et regardez, non, mais c'est un truc de malade. On vous dit d'ici quelques jours. Je compte sur vous, les amis, pour ceux à qui ça parlera, bien évidemment, de m'envoyer un petit message pour me confirmer quand ça là va se passer. Je suis de nature curieuse et j'aime bien avoir une certaine continuité avec vous, les amis. Pourquoi? Tout simplement parce que je vous aime, les amis. Et oui, c'est d'authenticité chez moi. Et oui. Allez, s'il vous plaît. Ouh, mes guides. Oh non, là, peut-être 5, c'est 6, c'est trop là quand même. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Y a-t-il d'autres messages? Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, on vous demande. Alors, c'est soit on vous demande de prendre du recul sur la situation pour lâcher prise, d'accord? Ou bien que grâce que vous avez pris du recul, j'entends plus comme ceci, moi. Heureusement, vous avez pris du recul sur la situation. Du coup, comme vous avez lâché prise, tout a pu se débloquer. Et votre autre aussi. À un moment donné, il y a une notion qu'il y a une petite break. J'entends un break, une petite séparation, une coupure. Et du coup, ça a pu permettre de prendre du recul et de bien savoir sur la situation, de bien savoir quel lien il y avait entre vous mutuellement. D'accord? Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il d'autres messages? Ou pas. Magnifique, hein, franchement de toute beauté. Hein. Pas rêver mieux. Alors là, nous avons les choses commencent à se débloquer. Mais bien sûr, les choses commencent à se débloquer. Et on vous dit, il y a des personnes, on vous le dit, tout est encore possible. Ceux qui ont baissé les bras, ceux qui n'y croient plus, on vous dit, tout est encore possible. Donc pas d'inquiétude. Dos de deck. Hein. On vous dit, il y a des choses à concrétiser. On vous dit, à un moment donné, il est nécessaire où il a été nécessaire de modifier votre façon de faire, de modifier votre façon de réagir, de modifier
votre certaine possessivité envers votre autre ou lui envers vous. D'accord? C'est ce que j'entends là maintenant de suite, les amis. Alors là, on est rendu 13, 16 minutes, donc j'ai encore du temps. C'est très bien. Donc les amis, franchement, n'hésitez pas à me laisser de liker, laisser un commentaire si le cœur t'en dit et de partager la guidance aussi, forcément, si le cœur t'en dit. On va laisser le petit tas comme ça avec la surprise. Je pense que je mettrai ce titre aussi. Ça m'appelle. Hein, vraiment, vraiment. Vous voyez, il y a quelqu'un, c'est bien ce que je vous disais là. Il y a le livre qui est ouvert. Donc, il y a quelqu'un, je pense vraiment, qui va vous parler cœur à cœur. Hein, et donc, vous proposer une opportunité qui va faire qu'il va vous proposer une surprise qui va vous faire dans tout. Voilà. Alors là, il y a un petit message, culpabilité et humiliation. Libérez-vous en découvrant, pardon, et créant votre propre bonheur, bien sûr. Pour retrouver son identité, la clé consiste à se connaître en se gratifiant. La vie des autres n'est pas la réalité. La vie des autres n'est pas la réalité, les amis. Donc n'écoutez pas des personnes si ils vous mentent sur votre autre ou vice-versa. C'est important de vous faire votre propre idée. On va la mettre là parce que ça ne veut pas tenir. D'accord, les amis, c'est important. Allez, on va prendre ce nouveau tarot aussi, un tarot guidance, de guidance. Oh là là, je vais y arriver. C'est Indigo, hein, Spirit Indigo. C'est le même créateur de l'améthyste Love. Hein. D'accord? On va aller voir. Il m'avait appelé, comme moi-même, je suis Indigo. Ça m'avait appelé. Allez, on va aller voir, les amis. Pas trop long, mais on va aller voir quand même. D'accord? Le guide d'amour, s'il vous plaît. Allez, y a-t-il des messages pour les personnes à laquelle cette guidance leur parlera pour les énergies du 30 juillet? S'il vous plaît. Please! Oh, la terre est basse, les amis. La terre est basse. Allez, on va prendre ça comme ceci. Allez, alors là, on vous parle d'une notion de vie, là. Donc, peut-être la discussion, la surprise, la chose qui va vous annoncer, ça se passera peut-être dans une ville, on me parle. Dans une ville, hein, peut-être où il y a quand même des bâtiments, mais pas que dans une ville, tout simplement. Ou peut-être, allez boire un coup, il va vous proposer de boire un coup en ville, et du coup, il va vous proposer, il va vous expliquer la chose à laquelle il a pensé. Là, on vous dit, il y a l'indépendance. Peut-être que ce qui est pas mal, c'est que vous-même, vous êtes indépendant, ou bien votre autre aussi, ou bien il va vous proposer une certaine indépendance au niveau peut-être travail ou une proposition au niveau travail, hein. Piston ou autre, hein. On vous dit, il y a une justice. Oui, il y a la justice, c'est-à-dire que il y a une forme d'équilibre. C'est comme si j'entends là maintenant dessus, toi qui es derrière la caméra, les amis à qui ça parlera, j'entends que c'est l'heure de récolter, pas que amoureusement, mais aussi professionnellement. J'ai l'impression que depuis des années, tu méritais quelque chose au niveau professionnel, mais tu ne l'as jamais eu. Ça à cause peut-être de ton parcours, peut-être à cause aussi des tierces personnes qu'il y a eu autour de toi qui ont mis une certaine. Bâton dans les roues, j'entends, peut-être aussi. On va les voir. Et s'il vous plaît, l'équipe d'amour, hein, y a-t-il des messages? Oui. Allez, qu'avons-nous là, pardon? L'être hébraïque, hein, grande puissance vibratoire, décision importante, libération. Oui, hein, ça, c'est l'indépendance, hein, de toute façon. Là, on va vous proposer quelque chose. Comme je vous ai tout à l'heure, il y a des choix à faire, il y aura des choix à faire. Hein. Ouais, mais ça va vous libérer. Il y a quelque chose qui va vous libérer. Vous êtes quand même heureuse, heureux, contente de ce qu'il va vous proposer aussi, j'entends, vraiment. Mais vous aurez le choix à faire. C'est soit oui ou soit non, hein, j'entends. D'accord? Une terre inconnue. Bien sûr, là, ce qu'il va vous proposer, c'est peut-être quelque chose qui est quand même assez inconnu pour vous. Vous allez peut-être être encore dans une forme de formation ou de. D'apprentissage, j'entends là maintenant de suite, mais pas d'inquiétude. Ça peut correspondre à, on me parle là maintenant au niveau de géographie aussi, de voyage peut-être, de connexion, de réapprendre.
Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il d'autres messages? Please! Allez. Allez, oui. Alors, on a hum. Hum, pour moi, c'est la spiritualité, ça, d'accord? Il y a une forme de spiritualité, un nouveau départ. Il y a peut-être des notions, un nouveau départ en ville, hein. Le nouveau départ sera en ville, hein, d'accord? Mais une forme aussi d'énergie renouvelée, de régénération d'énergie, de spiritualité, j'entends là maintenant de suite. Hein. On vous parle là, mais c'est un truc de malade. Encore une forme d'abondance qu'on a vu sur l'autre jeu de Annabella, hein, les fées et anges. Il y a une rentrée d'argent pour vous, d'accord? Alors peut-être, de ce qu'on va vous proposer, peut-être une évolution au niveau de votre paye ou au niveau du taux d'heure de votre travail, hein, peut-être, et cela va vous permettre de faire une rentrée d'argent un peu plus évolutive, j'entends là maintenant de suite, hein, d'accord, ou bien sachant que vous allez faire aussi un travail indépendant, c'est-à-dire que vous allez faire peut-être comme moi finalement, vous avez travaillé votre travail à temps complet plus un autre travail chez vous indépendamment d'autres formes d'entreprise, hein, finalement. Eh bien, on vous dit, cela va vous permettre de rentrer des sommes d'argent quand même. On vous dit, vous êtes guidé. Pas d'inquiétude, vous êtes guidé. Pour ceux et celles qui sont dans l'embarras, qui se poseraient des mille et mille questions de savoir qu'est-ce qu'il faut faire ou pas, oui, je vous assure, les amis, tout est possible de faire les deux en même temps. Il faut simplement une organisation. Alors, certes, des fois, on est fatigué. Eh bien, tout simplement, écoutez-vous. Et puis, quand vous êtes fatigué, vous mettez un petit stop et vous dites simplement à vos clients qu'il y aura un peu de retard, toujours dans une forme de bienveillance et d'amour, et ça passe comme une lettre à la poste, si je puis dire. Allez, s'il vous plaît, mais vous êtes guidé, pas d'inquiétude, hein, pas d'inquiétude. Hein. Et c'est eux qui vont faire en sorte que vous retrouvez une certaine justesse, un certain équilibre, équilibre vraiment important de le dire, ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, hein. Ouais, ça parle. C'est vraiment des messages qui sont assez surpuissants. Allez, s'il vous plaît, les guides, on est rendu à 12 minutes. Il va falloir que je speed un petit peu. Alors, ici, oui, effectivement, on vous parle de clairvoyance. Donc, peut-être des personnes comme moi qui ont une certaine clairvoyance, de la médiumnité, de la clairaudience, de la clairsentence, tout dans ce style-là, d'accord? Ou alors, tout simplement, on vous demande de vivre, de voir... au niveau de votre décision aussi, on vous demande de voir clairement. Ou alors, effectivement, vous allez, ça arrive, la situation va faire que il y a une situation à laquelle vous étiez dans le flou, vous n'arriviez pas à voir les choses clairement. Et bien là, à l'occurrence, avec la clairvoyance, effectivement, les guides vont vous aider à y voir plus clair, à mieux comprendre les choses, à mieux comprendre aussi pourquoi votre autre vous propose cela. Dans quel but? Il y a toujours un but, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui fait que, certes, c'est votre destinée, mais vous pouvez toujours cumuler des choses ensemble, d'accord? Regardez encore une notion de finance. Oui, on me parle là, ça va être une terre inconnue au niveau des finances, peut-être. Oh! Mais un truc de malade! Regardez sur la calculatrice, c'est marqué le 12-12. Moi, je suis née le 12-12. Je ne sais pas si vous voyez les amis, on adore, j'adore, c'est une dinguerie ça, c'est une dinguerie, j'adore. Non mais c'est fou quand même, les synchronicités. Là, il y a vraiment une notion des finances qui va être vraiment évolutive pour les personnes à laquelle ça parle, aura. Et franchement, ça va vous faire bizarre, vous voyez, c'est vraiment... Moi, j'entends, il y a vraiment une notion de pécuniairement parlant qui va être en évolution, quoi. Et ça va vous faire bizarre parce que, finalement, vous n'avez jamais eu autant, hein. Alors, attention, les amis, s'il vous plaît, soyez quand même dans une forme de gratitude pour ce qui va vous arriver et aussi aider votre prochain. Je ne vous dis pas de donner comme ça sans compter, mais s'il vous plaît, si vous voyez un petit SDF, une petite pièce par-ci, par-là ou de la nourriture comme moi je fais quand je vais aussi faire mes courses... voilà, avec mon gamin.
N'hésitez pas aussi à mettre des petites pièces à l'église. Sachez donner. Hein, vous allez récolter, mais sachez donner un petit peu. Je vous dis pas de donner des grosses sommes. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais surtout, pensez dans votre cœur, votre âme, que vous pouvez aider votre prochain. D'accord? C'est important. Et on vous dit la longévité. Là, j'entends là maintenant de suite avec cette future autre qui arrive vers vous. Certes, vous n'aurez pas le même mode de spiritualité parce que il y en a un des deux qui n'y connaît rien du tout. Mais vous allez peut-être pouvoir l'aider à être dans une forme de sagesse grâce à la spiritualité, d'accord, d'être dans une sérénité. Et du coup, il y aura une forme de longévité entre vous et lui. C'est de magnifique. Allez, on va aller voir, s'il vous plaît, mes guides. Y a-t-il d'autres messages ou pas? Oui, ça parle de toute façon. Ouais. Oh ouais, je ressens et je les prends là, on me dit vraiment de les prendre, je ne suis pas trop pour moi d'habitude avoir trop de cartes, mais non seulement j'ai une soirée ce soir, donc j'ai pas trop envie de me prendre la tête, j'écoute mes guides et là ils devraient être contents parce que même s'il y a 5 cartes qui sautent à la suite comme ça, eh bien je les prends. Allez, on vous annonce quoi? Là, il y a un travail difficile. Alors, attention, on est en train de vous dire là maintenant de suite que le travail à laquelle on va vous proposer ou on va vous pistonner, ne dormez pas sur vos lauriers. Il y aura des choses à apprendre, à acquérir et être dans une forme d'apprentissage. D'accord? C'est important. C'est pas parce que cette personne peut-être a un statut quand même assez évolutif ou quelqu'un qui connaît, qui a un statut haut placé et qui va vous pistonner que du coup il faut que vous dormiez sur vos lauriers. Non les amis, grande erreur, il faut que vous acquériez quand même un apprentissage, que vous soyez dans le mode de décrire dans un cahier pour mieux apprendre le nouveau poste. D'accord? C'est important et surtout par respect pour la personne qui vous a fait rentrer ou qui vous a fait évoluer. D'accord? Toujours avoir une forme de respect. C'est important. Là, on vous dit l'écriture. Oui, regardez, magique. Hein, c'est ce que je venais de vous dire il y a un instant. Il y a un moment donné, il faut qu'aussi vous sachiez écrire de ce que vous ressentez. Non seulement ce que vous ressentez, les guides vous conseillent d'écrire. Ou alors, où vous êtes bloqué, ou des peurs que vous auriez peut-être, ou vos croyances limitantes, comme je vous parlais en début de guidance. C'est important pour qu'ils puissent vous aider au mieux. Alors, pour ceux et celles qui auront des doutes aussi au niveau du travail qu'on va vous proposer, il y aura des passages difficiles. Mais tenez bon, vous allez y arriver, je le ressens. Il faut simplement que vous teniez bon et que vous puissiez puiser au fond de vous pour chercher au fond de vous la force que vous avez pour réussir ce poste, d'accord? On vous dit à un moment donné, il faut que vous lâchiez prise, que vous abandonnez et que vous sachiez que ça ne sert à rien de rester dans une forme de dureté, de prise de tête. Parce que ça sert à rien. Plus vous allez lâcher prise, plus vous allez mieux voir la situation qui veut, comment elle va se décanter. On vous dit, les guides sont là pour vous aider, pour vous engager avec force, avec créativité, avec contribution. D'accord? Il faut par contre être déterminé à réussir. C'est important. Voir toujours la positivité. D'accord? Et on vous dit au niveau de votre foyer, il y a peut-être aussi une notion qu'il va y avoir une aide dans votre foyer ou alors j'entends peut-être vous êtes pensif, vous êtes dans des doutes, dans des questionnements, mais on vous dit pas d'inquiétude. D'accord? En dos de deck, qu'est-ce qu'on m'annonce? Oui, il y a un déplacement de longue distance. Alors peut-être un déménagement, j'entends, pour des personnes, ou bien tout simplement vous allez faire un long déplacement pour des vacances et que vous êtes aussi un petit peu dans les questionnements parce que vous n'avez toujours pas de nouvelles de votre hôte. On vous dit lâchez prise, il arrive. D'accord? Magnifique. Allez, franchement, n'hésitez pas à liker, à partager et pourquoi pas à laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, forcément, rien n'est obligatoire sur ma chaîne. D'accord? Allez, on va mettre ceci ici. Nous sommes rendus à 18, donc ça fait 10, 20, 28, 29, 30. Ok, donc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Alors, attendez, je vais déjà ranger celui-ci. Allez, dites-moi mes guides, s'il vous plaît, si je dois. Ok, on me dit de prendre une carte, non seulement des messages de vie, voilà, de Mario Duguay, et après on prendra les breloques. D'accord, les amis? Magnifique aussi, Oracle, enfin Oracle, ouais, ça va faire, je crois que c'est mon deuxième, deux, troisième, avec Oracle des secrets rebelles. Que je l'ai déjà, c'est un de mes, mais c'est mes tout premiers,
à laquelle j'avais été attirée. Alors, on va voir s'ils veulent nous donner le message ou je le choisirai. Allez, s'il vous plaît, mes guides, y a-t-il un message particulier pour les personnes à laquelle cette guidance leur parlera, s'il vous plaît, mes guides? Non, ça bloque. Donc, quand ça bloque, je le sentais de toute façon. Ok. Je vais ranger la boîte. Allez, les amis, on y go, on se détend. On aime la vie. On aime le soleil, les belles énergies. On positive toujours, les amis. On positive. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on vous annonce? J'accueille. La carte j'accueille de toute beauté. Alors, je vous laisse regarder les impressions. Elles sont magnifiques. Donc là, on vous dit j'accueille. J'accueille la vie telle qu'elle se présente. Je fais chaque pas sur le chemin de ma réalisation dans l'abandon et la foi. Oui, gardez la foi, gardez l'amour, la sagesse, la paix envers tout le monde céleste qui sont là pour nous aider. Certes, invisibles, mais ils sont quand même là à côté de nous. Ne l'oublions pas. Je cesse de foncer dans le combat car je n'ai pas à lutter, je n'ai rien à prouver et je n'ai rien à forcer à contresens de la vie. Je continue d'être lumière mais dans les épreuves. Tout se place pour mon plus grand bien. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire là, les amis? Pas d'inquiétude, tout est en train de se passer comme c'est prévu. D'accord? Certes, avec encore des épreuves, ok, très bien, mais restez dans une forme de lumière, restez dans une forme de foi, d'amour, et tout va bien se passer pour vous, et vous arriverez mieux à accepter et à appréhender aussi les choses qui viendront à vous. C'est important. On vous dit le sens intérieur. Donc, je vous laisse regarder encore un... Ouais, de toute beauté. Le sens intérieur. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure. Je fais taire les bruits de mon mental. Je cesse d'écouter ma personnalité, d'écouter les autres et je deviens attentif. Les synchronicités sont bien là. Qu'est-ce que je vous parlais? Des croyances limitantes. On a parlé sur vous à votre autre et on a menti et vice-versa. Du coup, ça a créé des tensions, ça a créé des questionnements, des doutes. Donc là, on vous dit... Écoutez votre cœur, écoutez votre âme, écoutez votre intuition. C'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez les réponses. D'accord? Allez, on vous dit, je deviens attentive à ce que mon cœur émet. Je cesse de douter et je prends confiance en mon sens intérieur. La seule vérité qui apportera une réponse, une harmonie avec mon plan de vie se trouve en moi. Qu'on m'envoyait aussi les clés, d'accord? Il y a un moment donné, il faut que vous sachiez faire la part des choses entre votre mental et votre intuition et aussi de qu'en dira-t-on qu'on vous raconte. C'est important. Soyez vraiment authentique et attendez avant de juger ou avant de croire ce qu'on vous raconte. C'est important. Allez, s'il vous plaît, les guides d'amour, s'il vous plaît, mon message. Ouais, ok, merci. Et il est déjà rendu 6h30, il va falloir juste quitter les amis. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Ouais. Ouh, ça tombe. Allez, please, que je vous aime, oui, je vous aime. Allez, voilà, nickel, c'est très bien. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? Ouais, ok. Ouh, mais les synchronicités sont bien là. On adore, on adore, on adore, on adore. Moi, j'adore. Alors, on vous dit, c'est bien un amour, d'accord? C'est vraiment au niveau de l'amour. Et vous savez qui c'est, d'accord? On vous dit, il y aura des familles à recomposer. Donc, c'est possible que vous ayez déjà des enfants ou votre autre aussi ou vice-versa, d'accord? On vous dit, là, il y aura un déménagement de prévu. Hein, pour vivre ensemble, ça va aller très vite pour certaines personnes, ne l'oubliez pas. Un déménagement, d'accord? Pour faire une famille recomposée. Et on vous parle là, en l'occurrence, entre l'automne et le printemps. Alors on me dit, il y a des personnes pour l'automne, il y a d'autres personnes pour le printemps, et tout simplement, d'autres personnes, ça sera entre l'automne et le printemps. Voilà les amis, d'accord? Ensuite, on a la lettre D. La lettre D, donc début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et la lettre B, début de prénom, fin de prénom et début de nom de famille. Nous avons le chiffre 5. Le chiffre 5, c'est quoi les amis en tarot? C'est l'amour. Le chiffre 5, pour moi, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Oui, toujours l'amour. Là, nous avons encore l'arbre de vie. Oui, il y a de l'harmonie, de la joie, du bonheur, sérénité, de la paix qui enfin arrive pour vous
et votre autre pour que vous soyez en fusion, en harmonie. Comme je vous disais, aussi ensemble, vous allez retrouver aussi votre côté enfant intérieur parce que vous l'avez toujours eu, mais vous le cachiez, d'accord? Vous n'osez pas montrer qui vous êtes réellement à cause des masques. Et on vous dit encore avec la main, effectivement, votre autre, votre amour va vous tendre la main, va vous proposer quelque chose, une opportunité, va faire qu'il va vous proposer une surprise, un cadeau magnifique. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, à partager, pourquoi pas laisser un commentaire si le cœur t'en dit. Je vous redis et re-répète, restez dans la bienveillance, dans la sagesse, la paix. Mais surtout, l'amour de vous en premier lieu et ensuite l'amour pour autrui. Je vous dis à une prochaine vidéo pour une prochaine guidance. Je vous fais des gros bisous d'amour. Ciao, ciao, ciao les amis.